Le chemin des lettres, l'unité didactique numéro 5, la production de l'écrit, la page 156 et la page 157. Donc on va commencer par j'observe. La forêt, c'est quoi? Al-Ghabatu Mahia. Une forêt est un vaste espace. Donc, Al-Ghaba, il y a un wasat. Planté d'arbres, plus ou moins grands, yani des arbres chouïa qui le kbira ou qui sera. Les animaux de la forêt, hayawanat l'raba. Dans une forêt, on trouve de nombreux animaux. L'raba kan qadrou noujdou adad kabir min al hayawanat. Donc, comme le lièvre. Le lièvre ou l'arnab, le wahshi, l'ghaba, l'écureuil, sinjab, l'oiseau, toyor, ta'er et l'akhiré. La forêt et l'homme, l'ghabatu ou l'insan, quelle relation? Ma hi l'alaqa binatum? Pour l'homme, b'nisba l'insan, la forêt est un espace de silence, hiya makan l'houdou, de repos, makan raha. Et d'activités sportives. Wa yani les makan lil anshita riyadi. Donc la première question, ce texte est-il une recette, un documentaire, un récit? Ce n'est pas un récit. Hit hna ma andnach hna qissa ou hikaya ou lina, ça n'a rien à voir avec un récit. Ce n'est pas une recette, ma kan dirouch hna recette yani wasfa dial chi. Donc c'est un documentaire, c'est ça la bonne réponse. De quoi parle ce document? Bien sûr de la forêt. Il parle de la forêt. Quelles sont les parties de ce document? Donc ce document fait trois parties. Une définition de l'ghaba. Donc la première partie qui parle de la définition de la forêt, yani ta'rif dial l'ghaba. Touma ba3d men dikchi les animaux de la forêt, hayawanat l'ghaba, les animaux. Les animaux de la forêt. Touma ba3d dikchi tkellem lina ala la forêt مع l'insan. La forêt مع l'insan. La forêt et l'homme. De quoi, ou bien par quoi, chaque partie est identifiée. Yani toute la partie باش تعرفات. Par un titre. La forêt, c'est quoi? Les animaux de la forêt est là. Donc, là, avant de mettre le texte facile, qui a atteint un titre. Donc, chaque partie, on va dire, chaque partie commence par un titre. Je réfléchis. À qui est destiné ce documentaire? C'est un documentaire. Donc, la bonne réponse sera c'est un documentaire. Donc, à qui est destiné? Ce documentaire, bien sûr, c'est l'homme. Il donne à l'homme. Quoi d'autre? Ou bien aux visiteurs de la forêt. كل واحد زار الغابة خصو يعرف بأن هذا الشيء هذا هو الدور نتاع الغابة. Aux visiteurs de la forêt. Donc on passe à la question suivante. Que nous explique-t-il? Il nous explique هذا le texte شنو كيشرح لينا. Il nous explique l'importance de la forêt. L'importance
يعني أهمية الغابة de la forêt. Donne-t-on une opinion personnelle justifie ta réponse. Donc, il y a donne-t-on une opinion personnelle. Wesh hna yani li kitkellem wesh atana chi wijhat nadar. Yani wesh atana nadar ntaou. Donc, il n'a pas donné son opinion. Donc, on ne donne pas d'opinion. D'opinion, pardon, qui n'est pas S. Il n'utilise pas. Son opinion personnelle. Le quelqu'un a une opinion personnelle, واحد الرأي شخصي غادي تلقاه كيتكلم بجو. جو. Donc علاش لان il n'utilise pas la première personne du singulier. La première personne du singulier, c'est-à-dire je. Donc il s'amuse je. Donc quand quelqu'un s'amuse je, regardez un peu, bien n'a pas ce n'est pas son opinion personnelle. La question suivante: quel ton verbal domine-t-il? Donc faites le texte. Je connais le temps les s'amuse. Bien sûr, les verbes sont conjugués au présent, donc le temps. C'est le présent de l'indicatif. C'est quoi un texte explicatif? Donc c'est un texte. Je nous vois le texte explicatif. Un texte dit l'effet chorohat. C'est un texte qui donne. علاش هما قالوا لنا علاش واش اسكيلا ايتوليزي سون اوبينيون علاش لان فاش كتهضر على ان تيكست اكسبليكاتيف كتهضر على على لا سيونس شي حاجه علميه ما تقدر تعطي الراي ديالك في لا فان ديال لو تيكست ولكن اون بريف ولكن فاش كنتكلموا على تيكست اكسبليكاتيف يعني لو تيكست خصو يكون كيتكلم على شرح ديال شي حاجه كما كنديروا دابا هنايا دابا انا جيكسبليك هنايا كجيكسبليك انا ما كنديرش هذا علم ماشي ديالي هذا ماشي رأيي الشخصي وإنما هذا علم يعني لا سورس ديالو سي داكشي اللي يعني الرأي ديال العلماء ماشي ديالنا دونك كي دون ديز اكسبليكاسيون إذا واحد تكست اكسبليكاتيف هو اللي كيعطي ديز اكسبليكاسيون كيعطي شروحات اون باس على باج سويفونت لا باج 157 جو مونتري. Je donne des explications sur une forêt du Maroc en répondant aux questions suivantes. La forêt du Maroc, yani Ghaba Maghribia. Yani hna kanjawbu ala had les questions. On va dire un texte. Walakin hna on va répondre aux questions sur quelle forêt marocaine veux-tu donner des explications. Donc la première question, sur quelle forêt marocaine veux-tu donner des explications? Donc on va donner les explications sur la forêt. Je connais le rabel les ratatés à la forêt de Ma'moura. La forêt de Ma'moura. Et où se trouve-t-il? Bien sûr. Il se trouve, donc elle se trouve, dans la zone de Qnitra Rabassal.
Donc, Saleh, Rabat. Ou hiya Jayef, bien sûr, Rabat. Jayef, là, de l'ouest de Rabat. L'ouest de Rabat. La question, c'est quels sont les produits forestiers qui renforment cette forêt? Donc, cette forêt, elle produit des arbres. Donc, les arbres de chêne. Yani Ashjar. Les arbres de chêne. Yani chêne. Ashjar al-Balot. Ou le filine. Et le liège. Le liège. Yani, Katnjilina, le filine. S'agit-il d'une forêt accueillante? Justifie ta réponse. Oui, c'est une. Oui, c'est une forêt. Oshia, yani, Raba, yani, accueillante, yani, Mustakbila. Oshkatskbila, yani, Zoa. Bien sûr. Car il accueille, la forêt, il accueille toute année. Kulsana Katset. De très nombreux visiteurs. De très, très nombreux. Visiteurs. Donc la dernière rubrique, je produis, tu rédiges un paragraphe où tu donnes des explications à ta téfé sur les bienfaits, yani les avantages d'Yelraba, et de toi de la boîte des mots suivants, arbres, animaux, plantes, matières, premières, air pur, des fleurs, le bois, l'ombre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, la forêt, le rabat, joue, c'est l'abou, joue un rôle très important, un rôle très important pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres vivants. يعني كتلعب واحد الدور مهم جدا بالنسبة لجميع الكائنات الحية. Pourquoi? دابا عاد غندخلو في ليكسبليكاسيون. Car il stabilise, elle, la forêt, elle stabilise. Il stabilise le sol كتثبت التربة كتحارب التربة من الجراف دونك il stabilise le sol كتثبتها مزيان et purifie j'ai un pur le verbe purifier purifie l'air كتلطف الجو en absorbant bien sûr كتabsorber donc on va ajouter de la phrase en absorbant en absorbant le CO2, le CO2, il nous donne le O2. Absorbe le CO2, le dioxyde de carbone, ou le dioxyde, le oxygène. Que nous respirons, que nous, la dynamique fait respirons. Donc, parmi les bienfaits de la forêt, il nous donne l'ombre. L'ombre, c'est-à-dire belle. L'ombre avec des c'est gigantesque. Gigantesque.
gigantesque, c'est-à-dire gigantesque, يعني العالية الأشجار gigantesque arbre. أشجارها الباسقة والعالية. Il nous fournit encore et encore nous fournit fournit du bois nous fournit du bois donc enfin enfin la forêt est considéré comme une ressource renouvelable, c'est-à-dire ان الغابة هي واحد المصدر متجدد، يعني كتجدد الحاجة المتجددة مهمة في الحياة، الحاجة اللي ما كتجددش وكتقضى سي با امبورطون. فوالا سي لا فان دو سيت سيونس كونسيرنون لا برودكسيون دو ليكري، برودوير ان تكست اكسبليكاتيف لينيتي ديداكتيك 5 لو شومان دي لاتر.